souviens de cette adorable petite chienne que tu avais. Elle était tellement adorable. Tu l'avais appelée Branda. C'était Belinda, maman. Elle s'appelait Belinda Carlyle. Elle avait surtout une haleine monstrueuse. Mais arrête! Elle sentait mauvais. Le pire chez elle venait des gaz qu'elle laissait échapper sans arrêt. Je l'adorais. Oui, je me rappelle que tu ramassais jamais ses crottes. Je me souviens que je vous habillais toutes les deux avec des tenues assorties. Je me souviens que tu étais une petite grassouillette, en tout cas. C'est ça, et moi je me souviens que tu avais des dents à la boxe bonnie. Je me souviens que vous faisiez vos bêtises ensemble, ça je ne l'ai pas oublié. Kelly, enlève tes boîtes là, tu manges mon glaçage? Ne me pousse pas à bout, tu entends, Kelly? Mais c'est trop bon. Écoute, la flatterie est un jeu qui te mènera où tu veux, chérie. Donne-moi un peu. C'est un vrai délice. J'aimerais que tu laisses Kelly tranquille. Ta cousine n'est pas en grande forme. C'est pas une enfant gâtée. C'est juste que j'aimerais bien que mon gâteau ne soit pas couvert de traces de doigts. Oh non, ton gâteau ne sera pas parfait. Voilà, princesse. Ce n'est pas l'emballage du siècle, mais... C'est gentil. C'est magnifique. Joyeux anniversaire. Oh, tu peux tenir ça? Oui. Allô? Salut, Marc. On se voit tout à l'heure? Ça. C'est joli, non? Là, voilà. Eh oui, une heure, exactement. Tu avais raison. Coucou. Salut, on est ici. Oh, je suis désolée. Un client grincheux qui ne voulait pas s'en aller. Salut. Salut, Léane. Bon, les bougies, allez. Oui, vas-y. Tiens, ma belle, joyeux anniversaire. Alors, où est le beau garçon? Son nom, c'est quoi, Marc? Maman a décrété que c'était que pour la famille. Ouh. C'est vrai. Salut. Pourquoi je suis revenue avec Elisabeth si tu te fais arriver aussi tard? Elle n'a pas arrêté une minute de me parler de son Marc. Et Vicky se demandait ce que d'Elisabeth, arrête. Toujours pareil, il y en a que pour elle. Et voilà, il n'y a plus qu'à chanter. Marc! Non, déjà? Oh. Non, chérie, j'ai dit après la fête, non, Elisabeth! Je croyais qu'on finirait bien avant. Désolée, c'est ma faute, je vous ai retardé. Salut, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Entrez, Marc! Alors, c'est... Salut. Marc Stenwick et c'est ma tante Liane. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonne manière. Je suis impressionnée. Oui, ça c'est juste si on croit à ses âneries. On file tous les deux voir un film d'horreur. Allons, chérie, on n'a pas chanté. Il y a le gâteau et tous les cadeaux à déballer. Je la ramène ici pour 9h. 8h30, elle a cours demain. Tu connais les règles, Marc. Ok, on sera là. Vous voulez pas me déposer à la maison? Mon ami doit déjà m'attendre. Kelly, j'ai un examen sur Hamlet, il faut que j'aille étudier. Je vais rester encore un peu. J'ai quelque chose pour... Pour Marie, si elle m'avait laissé finir. La personne qui s'est donnée tout ce mal pour l'anniversaire d'Elisabeth. Ça vous dit? Et comment tu parles? Bon, ok, tu viens? Vas-y, Léane, assieds-toi. Et des tu nous apportes des verres, chérie? Bon, allez, raconte-moi tout ce qui ne va pas et compte sur moi. Je vais te dire quoi faire pour que tu retrouves le sourire. Hey, je plaisante. Je te connais. C'était une blague. C'est vrai. Ok, tu fais un vœu alors. Et souffle les bougies. Tu connais Austin et Cody, je crois. Cours d'anglais. On a tous Hamlet à étudier. Ouais. Terminée la douce adolescence pour Lizzie. Dans le cas de Kelly, c'est plutôt l'adolescence râleuse. Bien. Ou alors peut-être c'est ton karma. Je n'ai jamais été comme ça. Oui. Tu veux que maman te donne son avis à ce sujet? Laisse tomber. Tu es bête. Kelly était constamment collée à moi. Tu sais qu'on était proches. Elle était toujours à tes côtés. Oui, mais c'est tout le contraire depuis quelque temps. On dirait que tout ce que je dis est mal. Quoi? Tu crois que je cherche à me défiler? Non, je crois que Kelly est une chic fille et ce serait dommage de baisser les bras, c'est tout. Arrête, mais je ne baisse pas les bras. Je souhaiterais qu'elle ressemble plus à sa cousine, c'est tout. Elisabeth n'est pas compliquée. Kelly, il y a de bonnes chances que mes cheveux blanchissent avant les tiens. C'est ça, rigole. Être ou ne pas être, telle est la plus ennuyeuse des questions, ouais. C'est vraiment nul, cet examen. Aston, tu viens? Tu préfères rester? Je reste. Mais peu importe, allez-y, vous. Viens, Cody. Bye, Kelly. Merci pour le... Vous savez, mademoiselle Dunley,
J'avais pas remarqué, mais sans vos lunettes, vous êtes tout à fait charmante. J'ai pas de lunettes. C'est ce que j'ai dit, j'avais pas remarqué. Et c'est ta meilleure réplique. Ouais. J'oubliais que tu es du genre poète. Tu préfères... Je rêve d'embrasser tes lèvres depuis la première... Première fois que je t'ai vue. Et qu'est-ce que tu dirais de Christopher? Oui, ça fait très respectable. Et D'Artagnan. J'adore D'Artagnan aussi. Ok, entendu. On appellera nos deux chiens Christopher et D'Artagnan. Je sens que tu vas être cagate, c'est tout. Embrasse-moi. Ce que je veux, c'est être près de toi. Je suis prête à le faire. Ce week-end. Je veux juste que tu sois sûre. Tu seras le premier, je suis trop contente. Je vais être le seul et unique. Pour la vie. Tout à coup. Un type te dit de sécher les cours, allons-y. Il veut que tu lui fasses une pipe, bien sûr. C'est pas de tes affaires. Est-ce que c'est ton petit copain? Non, c'est juste un gars de mon cours d'anglais. Alors pourquoi? J'avais envie, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Tu veux me dire, je vais t'empêcher de sortir, je vais t'emmener dans une clinique, quoi? Si t'arrêtais déjà d'en faire une montagne, à t'entendre, j'ai couché avec ce type. Oh, parce que ce n'est rien, d'après toi. Que tu fasses ça à ton âge, ce n'est pas rien, ok? Ça ne te regarde pas que je sache. La seule personne impliquée, tu sais, c'est moi. C'est pas terminé, cette histoire, tu m'entends? Si je trouve une chambre demain soir, ça ira? Je vais chez Amy demain soir, c'est notre soirée film d'horreur. Tu as fait des plans pour vendredi soir, mais t'aurais pu au moins me le dire. J'ai vraiment négligé mes amis depuis un mois, tu sais. Moi aussi, mais pour moi, c'est... C'est parce que tu es plus importante que tout dans ma vie. Je crois que j'ai été plutôt stupide de penser que tu ressentais la même chose que moi. Écoute, tu sais ce que je ressens, Marc. Non, désolé. Autrement, tu ne me ferais pas passer après tes copines. Non, tu exagères. J'ignorais que tu étais aussi égocentrique. Marc! Je déposerai tes sacs chez ta tante Marie à l'heure de ma pause. Tu as décidé de me faire la tête, c'est ça? Ce séjour n'est pas une punition, faut que tu comprennes, j'ai du travail. Tu ne me fais plus confiance du tout. Pourquoi est-ce que je te ferai confiance et que je te laisserai seule à la maison? Ça ne me tente pas d'y être de toute manière, ok? C'est pour ta soirée film d'horreur. Je croyais que tu m'en voulais. Je t'aime trop pour être fâchée contre toi, allons. Je sais que tu ne voulais pas me faire de mal et je sais que tu ne feras plus de plans sans m'en parler d'abord, maintenant. Allons chez moi à l'heure du déjeuner. J'ai ton cadeau d'anniversaire. Ok. C'est comme ça qu'Ophélie agit avec son père. Elle obéit à Polonius. Mais comment agit-elle avec Hamlet? Pareil, elle est trop gnagnon. On dirait qu'elle ne sait pas penser par elle-même. Moi, je pense qu'elle est capable de penser, du moins à cette étape-ci, avant de perdre la tête. Pourquoi alors agit-elle comme si ses désirs n'avaient pas d'importance? Je crois qu'Ophélie est le produit de son époque, de sa culture.
Elle reçoit des messages de tout le monde autour d'elle, lui disant qu'elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre aux différentes pressions des hommes. Soumets-toi, Ophélie. Mets-toi à genoux et bouge, bébé. Vous savez où est le bureau de la directrice, j'imagine? Ouais. Quoi de neuf, Kelly? Ok, rappelez-vous ce que la R t'a dit à Ophélie. Le service intérieur de l'esprit. Mon père n'est pas là. Je te rassure, il est au boulot. Notre première fois ne sera pas un coup rapide à la sauvette. Je n'ai rien dit. Ta mère était vraiment très belle. Elle est morte il y a longtemps. Morte? Quelle drôle d'idée. Oh, tu as dit qu'elle était partie, j'ai cru que... Oh, partie, ouais, dans le sens où... Elle a fait ses bagages et elle est partie. Mon père n'a pas trouvé drôle que je mette sa photo ici. Et un jour, il l'a carrément jetée. Et lorsque je l'ai ressorti des poubelles, il a dit, ok, garde-la, Marc. Ça te rappellera que t'es un nul, puisque ta mère ne s'intéresse même pas à toi. Promets de ne jamais me laisser. Promets-le. C'est promis. Ok, c'est promis. Porter ce t-shirt chez Amy ce soir devant les autres. Pourquoi? Parce qu'il est bien trop moulant. T'as vu, les gars te dévoraient des yeux tout à l'heure. C'est vrai, ça? Et le frère d'Amy est un petit con. Il va te reluquer sans arrêt et te mettre mal à l'aise. Obsédé comme il est, il va baver sur toi. C'est fou, ça. Elle a aucune idée de ses charmes, on dirait. Je me change dès que j'en ai l'occasion. Promis. C'est ton petit copain depuis combien de temps? Un mois et demi, et tu te laisses dire ce que tu dois porter? Ça montre qu'il est attentionné. Oh, salut, je viens de parler à la mère d'Amy, et elle dit que tu peux amener Kelly à la soirée film d'horreur. Ok, cool. Est-ce que je pense que ça intéresse quelqu'un? Non. Toi, Elisabeth, vous êtes juste des pions que ta mère et moi adorons bouger selon notre bon vouloir. Oh, je t'en prie, chérie. Profite de ton week-end. Amuse-toi avec Lizzie. Vous adoriez faire des choses ensemble autrefois. Maintenant, elle ne veut sortir qu'avec Marc. T'as raison. Et moi aussi, ça me rend malade. Écoute. C'est un gentleman. Il la respecte, Kelly. Trouve-toi un copain qui te respecte, toi aussi. Donc, si un gars te demande de le sucer, il te manque de respect? Si tu n'étais pas la préférée de mes nièces. Je suis ta seule nièce. C'est sûrement pour ça que je te supporte. L'idée de regarder ce genre de merde. Non, question sérieuse. Dites-moi où est le plaisir de voir des filles se faire lacérer ou mutiler, hein? Relax, c'est juste un film, voyons. Salut. C'est Marc. Il téléphone toutes les heures. Ce sont des âmes sœurs. T'es où, quoi? C'est beau, l'amour fou. Ricky m'ignore complètement depuis quelques temps. Normal, fallait pas coucher tout de suite. Il te prend pour une traînée, maintenant. La ferme. Oui, mais comment t'as su où elle habitait? Incroyable, il a réussi à me trouver. Mais comment? Le GPS qui est sur mon portable. Et depuis tout ce temps, il est là, dehors, à m'attendre. Oh, on dirait un chiot avec son maître. Ou un psychopathe en chasse. Oh, oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Je vais revenir. Hé! Hey. Dites les filles, ça ne dérange personne ici que ce gars lui dise hop là et qu'elle l'obéisse? Miaou.
Ça fait à peine 4 heures et tu me manques déjà tellement. Je devrais peut-être te kidnapper alors. Très drôle. Qu'est-ce que tu fais? C'est Kelly. Ah. Ce film est nul, ne reste pas dehors. Rends-moi mon portable. Non. Arrête. Ok. Je veux juste voir si tu es quelqu'un de populaire. Attends, presque tous les appels sont de moi de toute façon. Ok, il faut que j'y aille cette fois. Mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de te le dire, je vais te kidnapper, chérie. Arrête, les filles m'attendent. Pourquoi t'essaies de t'enfuir, Elisabeth? Mais non, je... Je vous ai juste plaisanté. Cherchais à faire l'idiot. Lizzie, est-ce que ça va? Oui, tout baigne. Je vais rentrer maintenant. Tu me téléphones une fois chez toi, d'accord? Vous vous êtes battue? Est-ce qu'il t'a fait mal? Sois pas stupide. À merveille, non? Un peu de couleur, je crois que ça changerait ta vie. Vas-y, essaie, je te l'achète si jamais tu l'aimes. Allez, va l'essayer. Salut. Oui, désolée, c'est plus long que prévu. Te fâche pas, s'il te plaît. C'est sûr que j'aimerais mieux être avec toi. Tu le sais bien. Elisabeth, ta mère voudrait te voir. Ok, je te laisse, ma mère me réclame. Je te rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est promis, juré. D'accord, bye. Elle veut quoi? Rien. J'ai cru que tu apprécierais d'être un peu sans ta laisse. Je suis amoureuse. Tu ignores à quel point c'est dur d'être séparée. Bah, dans ce cas, rappelle-le. Mais j'y compte bien. Allô? Comment ça se passe? La vérité. Oh, génial. On fait du shopping pour l'instant. Juste entre filles. Ok, amusez-vous bien alors. Et si jamais tu vois un petit quelque chose pour Kelly, tu n'as que... Il faut que je raccroche. Je te rappelle, bye. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Allô? Je peux rentrer, maman? Mais je viens de parler à Marie. Elle dit que tu t'amuses bien. C'est elle qui m'a l'air de bien s'amuser. Je voudrais rentrer à la maison maintenant. Écoute, j'ai plein de boulot. Il n'est pas question que je te laisse sans surveillance à la maison. Tu as trahi ma confiance. Désolée de t'avoir dérangée. Je n'ai plus qu'à me trouver une belle paire de sandales. T'as pas dit qu'un de tes amis répétait dans le coin tout à l'heure? On pourrait y aller, tant que tu cherches tes chaussures. Ok, mais on se rejoint à la voiture dans 1 heure. On ira acheter des yaourts glacés dont vous raffoliez autrefois, toutes les deux. Mais on avait 5 ans à l'époque. Vous pourriez avoir 2 boules. Ok, amusez-vous et rendez-vous dans 1 heure. Ok, on se revoit demain. I hear them talking, they're talking all over town. Trying to figure out why we're so different and what we're all about. Strange without a doubt, let's not waste time. I'll take your hand and you'll take mine. It's us against the world. 'Cause when you wake up, you're so beautiful. C'est génial. J'adore ce qu'ils font. You don't have to wear makeup, baby, when you're here with me. Comme tu l'as appelé. Oh, c'est vrai, j'ai oublié le coup du GPS. Surtout, tu ne dis rien, d'accord? Je suis pas une balance, mais... And we will be the widows, if it makes us happy. 'Cause it's you and me. Tu es d'accord pour ce soir? On va avoir une chambre? Ta cousine adorée ne viendra pas te gâcher, j'espère. Non, je veillerai à ça. Non, 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 s'il te plaît. Pas ici, à table, donne-moi ce téléphone. Je voulais dire à Marc à quelle heure passer me chercher. Donne, pas ce soir, chérie, ta cousine est ici. Et puis tu dois étudier pour ton examen de chimie. Kelly, ça lui est égal et j'étudierai demain. Je te promets d'étudier toute la journée. Non, Elisabeth, désolée, tu ne sors pas ce soir. Donne ce téléphone. Tu l'auras quand tu auras fini de manger. Est-ce que Marc peut venir étudier ici?
Écoute, on trouve que t'as tendance à passer un peu trop de temps avec Marc ces jours-ci. Tu exagères. Et si on parlait de tout ça tout à l'heure? Essayons d'apprécier ce dîner. Ouais. J'ai l'autorisation de lui dire que je l'appellerai plus tard. Non, on mange pour l'instant. J'ai terminé dans ce cas. Je peux avoir mon téléphone? Tu as à peine touché à ton assiette. Oui, bien, je n'ai pas très faim. Mon téléphone, s'il te plaît. Ce n'est pas de sa faute si Marc se permet de lui envoyer un message à une heure pareille. D'accord, tiens alors. Ok, merci. Comme je n'ai pas d'examen de chimie, est-ce que je peux sortir avec mes copines? Le plan, c'est que tu restes ici tout le week-end. Je savais que c'était une punition. Mais c'est pas une punition. Et ça commence à être plutôt blessant de sentir que tu t'ennuies avec moi. Il n'y a pas si longtemps, tu disais toujours que j'étais une fille géniale. Tu te souviens de ça? Oui, rappelle-toi, tu disais, tante Marie, tu es vraiment géniale. C'est ouvert. Qu'est-ce que tu me veux? Disons que je veux t'avertir que pendant que toi et Marc vous passiez votre temps à vous bécoter aujourd'hui, Cody, le guitariste, m'a tout dit à propos de Marc et de son ex-copine Ashley Johnson. Ouais, et alors? Quoi, ça t'intéresse pas de savoir la raison pour laquelle on prétend qu'elle est tordue? Je crois qu'on devrait lui parler. Je crois qu'elle sait des choses sur Marc. Écoute, ça me fatigue que tu critiques sans arrêt Marc. Je cherche simplement à t'aider. Non, je regrette. Tu es juste jalouse de voir que quelqu'un m'aime et toi, non. Moi, il se peut que je sois jalouse de toi pour un tas de choses. Mais un gars qui te fait flipper si tu réponds pas à ses messages immédiatement, pas mon genre. Tu m'as jamais parlé d'Ashley Johnson. Qu'est-ce que tu dis? Ashley Johnson, c'est bien ton ex-copine, non? Kelly m'a dit que... Kelly, encore elle! Et tu crois ce qu'elle raconte? Mon père avait raison. Les filles, ça traîne en bande, ça fait des blagues sur les mecs et ça cherche juste à nous démolir. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ashley Johnson était une horrible personne. Elle m'accusait toujours de tas de choses pour que je me sente coupable. J'ai cru que tu étais différente. Je t'en prie, Marc. Non, reste ici. Tu n'as plus confiance en moi. À quoi bon? J'ai confiance. Je n'ai jamais eu derrière... Essaie de la fermer à l'avenir, histoire de changer. Hé, hey, de quoi tu parles? Kelly, où étais-tu passée? Nulle part, j'ai juste allé marcher. Tu étais avec ce garçon. Quoi? Tu es ici depuis une journée et tu essaies déjà de sortir en douce. C'est quoi ici, une prison? Je suis sortie marcher. Non, c'est pas une prison, mais je veux que tu m'avertisses quand tu quittes la maison. Agirais-tu avec Lizzie de façon aussi désagréable? Tu crois que c'est un petit ange, hein? Eh ben, erreur, je viens de voir Marc sortir par sa fenêtre. Elisabeth? Elisabeth, descends une petite minute.
Ta cousine prétend qu'elle vient de voir Mark sortir par la fenêtre de ta chambre. Est-ce que c'est vrai? Mais non, voyons. Je déteste vivre dans cette famille. Kelly? Kelly! Kelly! Entre, les gars. Bonsoir. Comment ça se fait que tu n'as pas le numéro de ses amis? Pourquoi j'aurais leur numéro? Enfin, je ne les appelle Kian, pas. Kian, enfin! À moins d'être vraiment parano, la plupart des parents n'ont pas les numéros des amis de leurs enfants. D'accord. Quels sont les noms de ses amis? Je veux dire, leur nom de famille! C'est l'hôpital Good Savior. Comment Allô? Ça? Quoi? C'est Kelly? Ma fille a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. C'est sûrement ma nièce. Mais je vous assure qu'elle n'a pas eu d'accident de voiture. Ma fille est là-haut dans sa... Elisabeth! Oh. 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 Ici, de ce côté. Excusez-moi. Excusez-moi, Elisabeth Jones. Oui, juste en face de vous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elisabeth. Elisabeth. Je suis désolé. C'était un accident. Est-ce que tu m'entends? Elle est inconsciente? Elle est sous calmant, mais tous ses signes vitaux sont excellents. Le médecin sera là dans une minute pour un bilan complet. Je veux savoir à quoi ça rime tout ça. Étais-tu ivre dans cette voiture, Mark? Non, monsieur. Un chien a surgi au milieu de la rue et j'ai eu peur de l'écraser. J'ai braqué à toute vitesse, sauf qu'elle n'avait pas la ceinture, monsieur, et son visage a heurté le tableau de bord. Je ne comprends pas. Tu l'as encouragée à sortir en douce de la maison? J'ignorais qu'elle s'était enfuie. Et elle a dit qu'il fallait trouver sa cousine. Elle a dit que Kelly s'était sauvée et qu'elle était très inquiète à son sujet, et donc elle m'a demandé de l'accompagner. Je voulais aider Elisabeth. C'est tout ce que j'ai essayé de faire. Chérie. Hey. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Ça va, dis. Pourquoi je suis à l'hôpital? Est-ce que tu te rappelles de l'accident? On était à la recherche de Kelly, tu te rappelles? Un chien a surgi au milieu de la rue et j'ai essayé de l'éviter. Tu te rappelles? Chérie, est-ce que tu te rappelles? Ouais. Je suis désolé, je sais pas à quel point. Pourquoi ne pas avoir dit que tu partais à la recherche de Kelly? Oh, quelle chance que tu n'aies rien. Tu me fais vivre tout ça. Pourquoi? Je ne sais pas quoi faire. La punir, tu crois? Elle est sortie en cachette à minuit. Oui, mais c'était pour retrouver Kelly. Je sais bien. À moins que toi, tu crois ce que Mark a dit, qu'il ignorait qu'elle s'était sauvée. Chérie, tu as vu la tête qu'il faisait? Il a le cœur brisé. Ouais. Elisabeth, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Arrête, Mark. C'est plus fort que moi. Je suis un raté qui mérite à peine de respirer, c'est tout. J'ignorais que ça allait péter. Je te jure que je l'ignorais. Quand tu t'es mise à dire ces choses à propos de moi, à dire que peut-être je ne disais pas la vérité, je savais pas que j'allais te faire du mal. J'arrive pas encore à croire que je t'ai frappé. Je crois que toute cette merde dans ma tête que je dois à mon père, eh bien, à présent, il suffit que je la contrôle. Mais dis-moi, tu n'as rien dit à tes parents. Pourquoi? J'ai pas compris ce qui s'est... C'est vrai, tout aurait pu être si parfait. Mais j'ai été bloqué une minute. Ah, c'était même pas une minute, c'était deux petites secondes.
Et c'est arrivé pour une raison. Tu étais devenue soupçonneuse, puis tu n'arrêtais pas de parler de moi dans mon dos. Et j'ai tellement souffert que tu me fasses plus confiance. Attends, tu n'as pas idée comme je t'aime. Je te parle à cœur ouvert, enfin tu as le pouvoir de me tuer si tu veux. Mais je crois que ça vaut la peine, même si des fois ça fait mal. C'est vrai, tu ne te sens pas comme ça, toi. Je sais que j'aurais dû faire attention quand je t'ai parlé d'Ashley. Ce n'était pas de la méchanceté, j'ai toujours confiance en toi. Désolée. Désolée. Cesse de t'excuser. Je ne t'en veux pas, voyons. Non, je ne pourrai jamais t'en vouloir. Ça va, Elisabeth, alors? Ça a l'air d'aller. Je crois, en tout cas. Oui, Kelly récupère aussi. Elle était chez son amie et c'est la mère de Vicky qui me l'a ramenée. Mmh. Je voudrais que tu me rendes service. Je veux que Kelly rentre chez toi. Je n'ai pas envie qu'elle cause d'autres problèmes. C'est assez ironique que tu dises ça. Étant donné qu'on est ici à l'hôpital parce que ta fille s'est sauvée en douce de chez toi avec son petit copain. Elisabeth, figure-toi, a été blessée parce qu'elle a pris la route pour retrouver Kelly. Oui, après qu'elle s'est sauvée de chez toi. D'accord, je la ramène. Je les avertis tout de suite. Toi aussi, t'as bien fait. Ouais, pas besoin de faire ces choses-là. Ils disent que tu as eu un accident. Est-ce que c'est vrai? Kelly, laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est Marc? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Tu sais que tu peux tout me dire. Et je te jure que si tu me le demandes, alors je ne dirai rien à personne. T'as bien dit à maman que Marc était dans ma chambre ce soir. Je sais que c'était pas très cool, mais... Aucune importance. Pas envie de te dire quoi que ce soit. Laisse-moi. Plus quoi te dire après tout ça. Je t'avais demandé de me laisser rentrer. Oh, et donc tu as décidé de me punir pour avoir dit non? Disons que je voulais juste... Que quoi, Kelly, quoi? Que tu te soucies de moi? Je n'arrête pas de me décarcasser pour toi. Toi et les folies qui te traversent l'esprit. Pourquoi c'est toujours moi qu'on traite de folle? Tu veux que je sois toute gentille et innocente comme quand j'avais 10 ans? Mes copines veulent que je les fasse rigoler, les profs veulent que je ferme ma gueule pendant les cours. Et les gars? Tu sais bien ce qu'ils veulent. Eh bien, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Je crois qu'il se passe des trucs bizarres entre Elisabeth et Marc. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce gars me fait flipper. Elisabeth a ses deux parents pour s'occuper d'elle. J'en ai déjà assez à faire avec toi. Tu es celle que j'aime. Tu entends ta mère, Kelly? Je t'aime, d'accord? Et tu sais fort bien que je me soucie de toi. Ok. Ne me dis pas que tu l'ignorais. Bah, c'est que je te vois si rarement. Oh, dans ce cas, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Il faut bien te nourrir, que je sache. On est fauchés à ce point-là. Tu m'engueules parce que je te parle pas, mais toi non plus, tu me dis rien. C'est que je ne veux pas t'inquiéter. Je peux te donner la même excuse, figure-toi. Sauf que la mère, c'est moi. Et une mère, ça se fait du souci. Si on faisait un pacte, je serais franche avec toi, mais il faut que tu promettes d'être franche avec moi aussi. D'accord? D'accord. Très bien.
Elisabeth, n'oublie pas ce dont on a discuté. Écoute, Marc, je sais que tout ça t'a bouleversé, mais on punit Elisabeth pour s'être sauvée en cachette. Donc, pas question de vous voir durant 2 semaines. Et pas de coup de fil non plus, est-ce que c'est clair? Ouais, monsieur. D'accord. Tu viens, Lizzie. Voir maintenant si Hamlet aime vraiment Ophélie. À ses obsèques, il dit 40 000 frères ne pourraient pas, avec tous leurs amours réunis, parfaire la somme du mien. Étrange attitude quand on sait que c'est lui qui l'a poussé au suicide. Shakespeare nous dit en fait que l'amour et le meurtre sont reliés. Dans une autre de ses pièces, Othello tue sa femme Desdémone lors d'une crise de jalousie pour déclarer ensuite qu'il a aimé non pas sagement, mais trop bien. Marc, Marc, donne ce sac. Donne. Laisse-moi regarder ce qu'il y a dedans. Arrête-le-moi. Seconde. Oh merde, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis cognée où tu m'as frappée. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Ça va aller? Ouais. Je devrais sortir du côté est, sinon ma mère risque de te voir. Je vais passer ce soir. D'accord. À plus. Kelly, 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 attends, surtout ne dis rien. Kelly, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Rien. Y a rien. Hier, mais c'est mon père, il a gardé mon téléphone. Je te remercie, c'est gentil de n'avoir rien dit à maman de ce qui s'est passé. La connaissant, elle t'aurait peut-être pas cru, Marc.
C'est pas mes oignons si tu veux être le punching ball de Marc. Pas de danger que ça se reproduise. Juste un truc bête entre nous et en plus, c'est pas de sa faute. Ça me regarde pas. Non, je suis sérieuse. Son père se défoulait sur sa mère et Marc pensait pas avoir ça au fond de lui. C'est sûr qu'il s'emballe parfois, mais c'est juste parce qu'il m'aime comme un fou. T'appelles ça de l'amour? Et pour toi, qu'est-ce que c'est que l'amour? Si c'est n'importe qui. Et Kelly? Kelly, je suis désolée, je voulais pas dire ça. Kelly, hey. Ça va, toi? Hey, est-ce que tu sèches? Parce que je sèche avec toi, ce serait chouette d'aller jusqu'au lac. Pourquoi? Tu veux te faire sucer, toi aussi? Ah, non. Désolée, je te connais pas assez pour ça. Ok. Hey, les IBT, prêts pour le jour du jugement? Non. Ouais, moi non plus. Alors comme ça, tu connais Ty Benchley? Il est assis à côté en cours de chimie et il laissait sans arrêt copier sur moi. Oh, tu n'es pas jaloux, hein? Est-ce que j'ai des raisons de l'être, dis-moi? Non. Pourquoi est-ce que tu me lâches, alors? Parce que j'ai cours, maintenant. Pourquoi tu fais cette tête? T'es tout bizarre. C'est ça, les mecs. Pas très clair. Ok. On se voit après les cours. Ouais. Alors, qui sont tes paradigmes? Paradigmes? C'est bien dit. Alanis Morissette. Les Ramones. Norah Jones. As-tu déjà songé à mettre ta poésie en chanson? Ouais. Je le savais. Est-ce que je pourrais lire ce que t'écris? Non. Pas maintenant, non. Peut-être plus tard. Sans doute, je sais pas, moi. Cool. Écoute, je sécherai pas toute la journée, juste le cours d'anglais. J'ai aucune envie de supporter Austin et son petit air supérieur. T'ignorais que c'était un coureur ou t'aimes juste les gars dans son genre? Tous les gars sont des coureurs. Pas tous les gars. Ouais, ouais. Pas tous les gars. Qu'est-ce que tu veux exactement? J'aimerais que tu me croies sur parole. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je pense? Bah, c'est que... Disons que je t'aime bien. Et quoi encore? Quoi? Et vous, Mademoiselle Jones? C'est inquiétant de voir une telle chute dans vos notes, je dois l'admettre. C'est sûr, je suis désolée, je vais m'accrocher. Est-ce que je peux m'en aller? On m'attend, s'il vous plaît. Allez-y, faut vous ressaisir, d'accord? La prochaine fois, je ferai diversion et t'auras plus qu'à t'enfuir. Marc! J'étais là, poireauté dans le couloir, à rester planté comme un con, pendant que toi, tu faisais les yeux doux à Ty Benchley! Mademoiselle Edmond m'a retenu, j'y suis pour rien! Arrête, je t'ai vu! Je savais que tu t'intéressais à ce type, je connais ton petit sourire, tu sais! Je flirtais pas avec lui, je te jure! Marc, attends, où est-ce que tu vas? Marc, écoute-moi, je t'en prie, si... Passé. Marc l'a agressé? J'ai du mal à vous croire. J'aimerais appeler la police. Mais Elisabeth nie qu'on s'en soit pris à elle. Elle persiste à dire qu'elle a fait une chute. J'ai trébuché.
déteste, Marge. Combien de temps vas-tu continuer à nier? J'ai trébuché, j'ai pas vu le trottoir devant moi. Regarde-toi dans ce miroir. Lâche-moi. Redis-moi que tu t'es fait ça en tombant sur le trottoir. Maman, qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas eu d'accident de voiture. L'autre nuit, il t'a frappé, n'est-ce pas? Non, non. Kelly a dit qu'elle t'avait vu sortir d'ici par la fenêtre. Il était là ce soir-là, hein? Pas vrai? Tu n'as fait que mentir et jouer constamment la comédie. Et pour protéger qui? Un gars qui te tape dessus? Désolée. Désolée. De quoi ce salaud est-il désolé au juste, Elisabeth? Je te défends de recevoir ce garçon à l'avenir. Est-ce que c'est compris? Tu ne sais rien de lui, d'accord? Je l'aime et c'est pour toujours. Je ne peux pas vivre sans lui, c'est comme... Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il est violent! Tu ne comprends rien, ok? C'était de ma faute! Tu vas t'enlever cette idée de la tête! Est-ce que tu comprends? Oh, ma chérie. Tante Marie, c'est Kelly. Bonjour, Trésor. Je viens aux nouvelles. Est-ce qu'Elisabeth va mieux? Le médecin a dit qu'elle était tirée d'affaire physiquement. Ouais. Elle m'en veut, dis-moi. Non. Est-ce qu'elle est là? Écoute, Kelly, ce serait mieux d'attendre pour lui dire un mot. Ok. Bien sûr, d'accord. Merci, chérie, de ton coup de fil et aussi pour ton aide au lycée. Elle a dit d'attendre encore et de rappeler. C'est bien d'avoir téléphoné. J'aurais dû tout dire plus tôt, je sais. Au sujet de Marc, tu as essayé? Tu m'en as parlé? Non, c'était avant tout le reste. C'est plus tard que j'y suis, et là, j'ai décidé de le dire à Tante Marie, puis j'ai renoncé. Oh, Kelly. Lizzie m'a supplié de me taire. Mais quand je l'ai aperçue devant lycée, elle avait le visage tout couvert de sang, mais... C'était comme si elle n'en était pas consciente. Raconte-moi. Elle avait l'air d'être complètement sonnée. Et je sais comment il peut se sentir. Je fais des choses et je ne sais même pas pourquoi je les fais. Je n'ai plus envie d'être comme ça. Je ne veux pas prendre le risque de rater ma vie. Je n'ai pas envie de ça. Elle nie toujours l'évidence. Elle refuse d'aller porter plainte. Je vais chez lui dans ce cas. À quoi bon? Son père va appeler la police et il te fera arrêter. Bien, alors il ne nous reste plus qu'à la changer de lycée. Je ne crois pas que la séparer de ses amis soit une bonne idée pour l'instant. Et c'est quoi une bonne idée, Marie? J'aimerais t'entendre un peu. C'est toi l'avocate. Est-ce qu'on peut le poursuivre non, en justice? Pas si elle refuse de porter plainte. Je crois que je vais l'emmener voir un thérapeute, à condition qu'elle veuille. Pas de condition, c'est bien simple. Je la conduirai de force s'il le faut. Est-ce que c'est Marc? Son portable sonne continuellement. Marc, tu harcèles ma fille encore une fois et je réplique chez toi pour t'étriper. Est-ce que c'est clair? Hé, hey, Kelly. Ta cousine, est-ce qu'elle va mieux? Ouais, je crois, oui. Je m'excuse, j'ai dû te paraître bizarre hier. Surtout après ce que t'as dit. C'était pas très facile à dire, tu sais. Je suis timide. Non, sans blague. Bah, tu m'as enhardi. Répète ça. Ça sort d'où, ce mot-là? Y a pas de fille plus allumée et cool que toi au lycée. Si tu continues à dire des choses de genre, je vais finir par douter de ta sincérité. Bah, faut peut-être apprendre à se connaître. C'est sans doute que pour l'instant, je suis pas prête à aimer. C'est pas que je t'apprécie non. pas, c'est... Hey, c'est juste que... Je comprends. C'est ok. Salut, Kelly. Qu'est-ce que tu fous? Je
Je me fais du souci pour Elisabeth. Est-ce qu'elle doit venir aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je te donnerais des nouvelles d'Elisabeth? C'est ma copine. C'est moi qui l'ai trouvée devant le parking, toute pleine de sang, après le coup de poing que tu lui as donné au visage. C'est ça, tu comptes encore me dénigrer? Ça suffit. Et t'approches pas d'elle. Tout le monde sait ce que t'as fait, Marc. Comment te sens-tu en ce moment, Elisabeth? Épuisée. J'ai très peu dormi la nuit dernière. Il se peut que pendant quelque temps, tu sois fatiguée. Le stress post-traumatique est courant après avoir vécu une relation abusive. Je n'ai pas vécu de relation abusive. Parfois, on crie un peu fort, mais c'est souvent de ma faute. Je sais qu'il m'aime. Et comment le sais-tu? Parce qu'il te le dit? Non, parce qu'il le ressent. D'accord. Et comment sais-tu que Marc ressent cette chose-là? À cause de ses baisers, il dit que je suis magnifique. Il m'attend le soir en voiture après les cours et il me reconduit. Et il m'offre des cadeaux. Donc tu sais qu'il t'aime juste par sa manière d'agir envers toi? Oui. Alors ça dit quoi lorsqu'il te frappe? Comment elle est alors? Elle est gentille? Elisabeth, réponds-moi quand je te parle, s'il te plaît. La thérapeute dit qu'on ne doit pas m'empêcher de revoir Marc. Elle dit que ce doit être ma décision. La décision est déjà prise, pas vrai? Pourquoi voudrais-tu encore te confronter à ce malade? Tu savais que Marc l'avait déjà frappé? Comment est-ce que tu as pu garder un tel secret pour toi? Elle disait que ça ne se reproduirait plus et que tu me croirais pas. Et tu m'as pas cru quand je t'ai dit que Marc était passé par la fenêtre? Je n'ai entendu que ce que je voulais entendre. Et je pensais que tu m'aurais appelé hier soir. Pourquoi? Pour que tu te réjouisses, parce que ma fille est encore plus perturbée que la tienne. Ça fait des semaines qu'elle ne passe plus de temps avec ses amis. Et elle devenait très anxieuse lorsqu'on lui interdisait de répondre à ses messages. Enfin, je suis sa mère. Je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Je l'ai abandonnée entre les mains de ce monstre. Oh, mon Dieu, je n'ai pas su la protéger. Waouh. Est-ce que ça fait mal? C'est douloureux? Bah quoi, j'ai l'air si mal en point? Tu t'es pas regardée dans le miroir? Tu dois te dire que je le mérite, sans doute, puisque je reste avec lui. Je sais pourquoi tu restes avec lui. Parce que tu l'aimes. T'auras connu ça. Mes parents disent qu'il ne faut plus que je le fréquente. Ils disent qu'il ne changera jamais. Et toi, tu crois que si? Je sais qu'il m'aime, c'est tout. C'est dur de comprendre ça, mais lorsque tu aimes une personne, ce qu'elle fait n'a pas d'importance. Tu sais pourquoi elle agit de cette façon et tu lui pardonnes tout. Ok. Excuse-le, d'accord. Mais ne reste pas avec ce type. Ne le laisse plus te tabasser. Je sais qu'il ne m'agressera plus. Regarde dans le miroir. Regarde-toi. Et Walter, il tient coup? Il garde tout à l'intérieur. Je le sens prêt à exploser. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Elisabeth ne quittera pas cette maison avant d'avoir rompu avec ce garçon. Es-tu sûre que c'est la bonne façon d'agir? Elle va t'en vouloir après coup. Et... Aucune importance. Tu sais, là où tu fais erreur, Léane, c'est qu'une mère ne doit pas faire de sa fille une copine. Les enfants ont besoin d'un parent qui leur montre quelles sont les règles. Est-ce que je peux téléphoner? Je suis prête à le faire. Prête à en finir avec Marc. Ça va aller.
Alors ? Bien. Il ne lui a pas rendu ça facile. Oui, c'était affreux. Il pleurait sans arrêt. Sans arrêt. Il essaie juste de t'influencer. C'est un manipulateur, tu sais, non ? Ça ne pouvait pas continuer, Lizzie. Il fallait en finir. Il ne mérite pas ton chagrin, Lizzie. Ça ira si je vais dormir. Je suis fatiguée, bien sûr. T'as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Ils ont marché. Je n'arrive pas à te laisser. Il n'y a rien à faire. Chérie. Oh, merci. Alors, de quoi j'ai l'air ? Tu es ravissante, Lizzie. Tu sais, il n'y a rien qui t'oblige à reprendre des cours si vite. Tu t'es absentée à peine deux jours. Non, je crois qu'elle veut que les choses reviennent à la normale. Il sera au lycée. C'est sûr. Tu sais qu'il n'y serait pas si tu admettais enfin devant la principale ce qu'il t'a fait. Alors une plainte serait déposée. Arrête, je l'ai déjà assez blessée, je trouve. D'accord, je ne vais pas gâcher sa vie. Tu l'as blessée, Elisabeth ? Écoutez, je sais que cette décision ne vous plaît pas, mais... Et ça m'est égal. Je n'enverrai pas Marc en prison. La thérapeute dit qu'il faut respecter ma volonté. En forme. Tu voudrais que j'entre avec toi ? Est-ce que tout le monde sait ce qui s'est passé ? Il y a pas mal d'élèves qui parlaient de ça hier. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Cesse de crier après lui. Pourquoi est-ce que je ne crierai pas ? Après tout ce qu'il t'a fait subir ? Tu sais, si j'avais été une meilleure petite amie, peut-être qu'il se serait retenu. C'est vrai. Laisse tomber. Ma fille est chez vous pour qu'on l'aide. Mais vous ne pensez qu'à saper mon autorité parentale. Je suis désolée, mais c'est faux. Vous avez dit que je n'avais aucun droit de la pousser à rompre avec celui qui l'a agressée. J'ai dit que les parents n'avaient aucune autorité sur ce qui tient à cœur à l'enfant. Mais enfin, c'est ridicule. Faites ce que vous avez à faire pour protéger Elisabeth. Se sortir rapidement d'une relation abusive est dangereux et difficile. Ce n'est pas parce qu'elle vous dit que tout est fini que cela veut dire que c'est fini. Merci. Marc te regarde avec ses yeux de chien battu. Tu veux vraiment pas lui pardonner ? Léanie, regarde son visage. T'es sûre d'avoir rien fait de moche pour qu'il pète les plombs ? Quoi ? Ça se joue à deux, pas vrai ? C'est quoi ton problème ? Tout le monde sur Facebook dit d'oublier et de pardonner. Écoute, si jamais tu décides de pardonner à ce mec, je te parle plus, c'est clair ? Sais-tu où est parti Marc, toi ? Les autres savaient qu'on est encore ensemble, ils comprendraient pas. Ce que pensent les autres, j'en ai rien à faire. Du moment que t'es là avec moi, c'est tout ce qui importe. Je t'aime, tu sais. Je t'aime tellement que j'en ai mal quelquefois. Rien ne nous séparera jamais, tu entends. Rien, je te le jure.
C'est une première que tu viens de me demander conseil. Cette thérapeute m'a vraiment désarçonnée. Elle dit que si je refuse d'accepter l'amour d'Elisabeth pour Marc, c'est un peu comme si je l'ai poussé dans les bras l'un de l'autre. Tu peux accepter ce qu'elle ressent sans pour autant encourager cet amour? Il faudrait que j'accepte que mon unique fille aime un garçon qui la brutalise. Chaque fibre de mon corps me dit que je dois mettre un terme à cette histoire. Comme quand les fibres de ton corps te disaient que le père de Kelly me gâcherait la vie. Oui, si tu m'avais écouté un peu, j'aurais... Je t'ai écouté, justement. C'est bien le problème. Tu m'as fait sentir tellement stupide d'aimer cet homme, j'en ai conclu qu'il était la seule personne à me soutenir. Autrement dit, c'est de ma faute si tu as épousé ce raté. Non, mais... J'aurais aimé que tu dises... Rien qu'une fois, c'est clair que tu aimes ce type. Tu as sûrement des tas de raisons, mais es-tu certaine de vouloir être traitée comme ça? Bien, je n'ai jamais pensé que... Je n'ai jamais réalisé ça. Je crois que tu ne réalises pas la portée de tes paroles. Il y a une telle force et une telle assurance en toi, ce qui est bien d'ailleurs, mais... Des fois, Marie, c'est comme si tu voulais que tout le monde ressente chaque chose exactement comme toi. Et que tout le monde agisse comme tu l'entends. Je pense que cette thérapeute a raison. Si tu refuses d'écouter Elisabeth, si tu refuses de comprendre ses sentiments, tu risques d'ériger un mur entre vous. Et ta fille sera toute seule de l'autre côté. Avec Marc. Tu passes du côté de l'entrée sud, ok? Hé hey. Tu gardes ton téléphone allumé, hein? Ouais, ok. Lizzie, à quoi tu joues, là? Écoute, si je veux reparler à Marc, ça te regarde pas, Kelly, d'accord? Oh, mais tu t'en fiches, c'est vrai, tu vas moucharder dès que possible, j'imagine. Ça m'a pris qu'une demi-journée pour découvrir que vous voyez toujours. Tes parents te surveillent de près. Ils vont comprendre, eux aussi. Il n'y a rien à comprendre, ok? Moi et Marc, on n'est plus ensemble. Je savais très perturbée. J'ai juste voulu m'assurer de son état. T'en es sûre? Ouais. Une photo d'Elizabeth Jones a été affichée. Où donc es-tu, Roméo? C'est vraiment pas comme je trouve. Hé! Je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu réponds pas? Nos téléphones doivent rester éteints en cours. Alors mets-le sur silencieux. Kelly pourrait se rendre compte de quelque chose. Elle sait que je suis sortie avec toi plus tôt. Je vais lui dire un mot. Non, arrête. Laisse-la tranquille, d'accord? Dis-lui que c'est à elle de nous laisser tranquilles ou je vais lui donner une leçon, crois-moi. Je t'interdis, ok? Tu ne menaces pas Kelly, je suis sérieuse, tu lui chappes. Relax, enfin, c'était juste une manière de parler, je plaisantais. Ça va, Di? T'as l'air un peu tendue. Il y a cette photo sur Internet, et la plupart ouais, des gens... Ouais, je sais. Les gens disent toutes sortes de stupidités, mais on s'en fiche, il faut les ignorer, Lizzie. Je te laisse, ma mère m'attend dehors. Hé hey. Je t'aime, tu le sais? Je t'aime aussi. Alors prouve-le, allume ton téléphone. Ok. Salut. Ça va, chérie? S'est passé quelque chose? Oui. Non, je sais pas trop. Une dure journée. Est-ce que Marc s'en est pris encore à toi? Non, je l'ai à peine entrevu. Alors, les autres élèves? Tu dois passer voir la thérapeute cet après-midi, mais si tu n'y tiens pas, ce n'est pas une obligation. Pourquoi est-ce que je tiendrai pas à la voir? Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit dont tu n'es pas envie. Tu n'as pas à me dire des choses que, soi-disant, j'ai envie d'entendre. Je suis prête à t'écouter. Enfin, si tu veux parler. Décidément, j'ai été surprise aujourd'hui. Comment t'es venue ici? On a pris l'autobus. On?
C'est Cody. Il voulait pas que j'aille si loin toute seule. J'envisage qu'il devienne mon petit copain. Tu envisages? Ouais, les relations entre garçons et filles, c'est pas évident. Ah, ça, c'est bien vrai. Et? Lizzie va sans doute m'en vouloir. Je sais qu'elle a menti au sujet de Marc. Il se voit toujours. Comment te sens-tu depuis la rupture? Des tas de jeunes filles disent qu'elles n'arrêtent pas de pleurer. Et même si elles sont très soulagées d'en avoir fini avec cette relation, elles se sentent tristes. Est-ce que tu te sens triste? Sans doute. Dis-moi, Marc n'a pas exigé de rencontre? Est-ce qu'il a essayé de te voir pour reprendre? Non, rien de tout ça. Ok. Plutôt que de vouloir te forcer à parler alors que, de toute évidence, tu n'en as pas envie... J'ai jamais dit ça. Je vais te donner un exercice à faire, puis on va arrêter la séance. J'aimerais juste que tu jettes un coup d'œil sur ce site et que tu me lises un passage, et ensuite, je te libère. C'est tout? Oui, recherche les mots « signe que vous êtes victime d'abus » et lis-moi ce que tu trouves. J'ai déjà rompu avec Marc. Alors, où est le problème? Bien. Je vais lire. Et je suis libre ensuite. Est-ce que votre copain a des réactions qui vous effraient? Est-ce qu'il est jaloux ou possessif? Est-ce qu'il essaie de vous contrôler ou cherche à savoir où vous êtes constamment? Est-ce qu'il contrôle vos mails, votre boîte vocale ou vos messages? Est-ce qu'il commente votre tenue ou bien est-ce qu'il vous dit d'en changer? Est-ce qu'il téléphone ou vous envoie des messages de manière compulsive ou exige-t-il que vous réagissiez au moindre appel immédiatement? Est-ce quelqu'un de violent qui donne des coups? Encore une phrase et on arrête. Est-ce qu'il vous rend fautif des choses blessantes qu'il dit ou qu'il fait? Et Kelly, elle en est sûre? Oh, ok. Merci de m'avoir prévenue. Je te tiens au courant. Je me sens mal d'avoir tout raconté. Mais je me sentais mal de savoir ça et de rien dire à personne. Je crois que t'as fait la bonne chose. Ta mère m'a l'air très cool. Elle est. Et toi aussi. Cody, t'as remarqué, c'est moi qui ai dit que t'étais un gars cool. J'ai reçu le message, ça fait un moment que tu me suis partout. Parce que c'est moi qui te suis partout. Donc elle nous joue la comédie. Bien, je vais aller tout de suite mettre fin à ça, tu vas voir. Question, Walter. Tu as déjà essayé, ça n'a rien donné, ça l'a poussé à nous mentir. Qu'est-ce qu'on fait alors? On la boucle dans sa chambre jusqu'à ses 18 ans? C'est que j'en sais rien. Nous sommes ses parents, Marie. Nous sommes censés la protéger. On ne peut plus la sauver. Elle doit ouvrir les yeux toute seule, comme une grande. Salut. J'appelle, j'envoie plein de messages. Pourquoi tu réponds pas? Mes parents sont là, ils m'ont pas lâché de la soirée. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux t'échapper pour qu'on se voit? Je crois pas, non. Si vraiment tu veux être avec moi, tu trouveras un moyen. J'ai aussi des devoirs que je dois rendre. Et c'est plus important que moi? Non. Je te laisse, j'entends du bruit. Non, attends, je... Elisabeth, je voudrais qu'on discute un peu, tous les deux. Je me sens très fatiguée. Est-ce qu'on peut se parler demain? Il s'agit de choses importantes. Ça peut attendre, je crois. Elle est fatiguée. Merci.
suis en train d'essayer de t'appeler. Où est ton téléphone? Je t'ai posé une question. Marc, je veux qu'on se sépare. Est-ce que tes parents nous écoutent? Non. Je suis sérieuse. Séparons-nous, je veux rompre, c'est terminé. Mais tu m'aimes, non? C'est sûr. Mais peu importe, je veux rompre. Pourquoi? Parce que je n'ai plus envie de ressentir cette peur. Pourquoi as-tu peur? Allons, je ne t'ai plus frappée. C'est pas juste ça. Tu téléphones tout le temps, tu essaies de contrôler mes allées et venues. D'où tu sors ces arguments, dis-moi? Aucune importance. C'est pas compliqué, je veux rompre. Ouais, bah je vais me tuer si tu décides de me laisser. Je te jure que je vais le faire. Non, arrête ça. Pas question de vivre sans toi. Je vais m'accrocher jusqu'à ce que tu me reprennes. Marc, laisse-moi. Non, je peux pas vivre sans toi. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que tu me reprennes. Non, lâche-moi. Tais-toi. Tes parents vont nous entendre, ne dis rien. Tant mieux. Papa! Maman, il est ici! Si tu approches de cette maison encore une fois, je te mets une trempe et je te réduis en bouillie! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle le voit encore. Non, c'est pas vrai, je le jure. J'ai rompu pour de bon cette fois, je lui ai tout dit. Je vous demande de me croire. Croyez-moi, je vous en supplie. Ok. 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 Elle est sur son lit, dans la chambre. Les yeux dans le vague. Aucun de nous n'a dormi cette nuit. Ça suffit cette fois, Marie. Il faut obtenir tout de suite une ordonnance du juge. Chérie, elle refuse de porter plainte, tu le sais. Ça ne fera aucune différence. C'est à elle seule de décider. La thérapeute dit que nous devons soutenir notre fille. Qu'y a-t-il, chérie? Quoi? Oh mon Dieu. Bien sûr, le juge voudra vous parler avant de signer l'ordonnance. Il voudra des preuves comme quoi ce jeune homme est une réelle menace pour vous. Montre-lui, Elisabeth. Il lui a envoyé un message. Je peux regarder? Tu es une sale menteuse. Tu veux juste sortir avec d'autres garçons. Tu ne mérites pas de vivre. Ça devrait suffire. Mark Stenwick, une assignation. Mark devra en toutes circonstances se tenir à au moins 15 mètres d'Elisabeth. S'il viole l'ordonnance, nous appellerons la police et il sera arrêté. Étant donné qu'ils n'ont pas de cours en commun, conserver cette distance ne posera pas de problème. Vous voyez pas de problème, vous? Il y en a pourtant un. Nos enfants ont un petit différent, et au lieu de les laisser régler ça entre eux, vous faites appel à un juge. Vous ameutez tout le lycée. Si j'avais le choix, c'est la police qui serait alertée, et votre fils serait en prison. Ah oui? Et comment? Arrête, papa! Allons-nous-en d'ici. Mal passé? Non, chérie, pas trop mal. Je dois retourner en cours. Ok, tu t'iras bien, tu crois? Rappelle-toi ce que le juge a dit, d'accord? Tu t'en tiens aux arrangements. Fais en sorte de ne jamais être seule. Oui, Kelly restera avec moi après les cours. Rappelle-toi, il s'agit de te montrer forte et de te faire respecter. Je sais que ça va être dur. Ton père et moi, on est fiers de toi, chérie. Je sais. Je dois retourner au bureau. Ok, et moi je vais prendre l'air. Je te revois plus tard, ok? D'accord. Au revoir. Mm-hmm.
fait ici? Kelly a téléphoné pour me dire ce qui se passait. Je tenais à voir comment tu allais. Ah. Tu veux manger quelque chose? Avec plaisir. Quelle chance j'ai de t'avoir. J'ai juste hâte qu'on me regarde plus comme une bête de foire et que tout revienne à la normale. Si tu venais voir le groupe de Cody, il joue tout à l'heure. Pas cette fois-ci. Je veux pas y aller toute seule. Ce serait monstrueusement gênant. Pourquoi? Cody a voulu un de mes poèmes et il en a fait une chanson. Ça va sans doute être fiasco. Non, non, d'accord, allons-y. On va interpréter une nouvelle chanson que j'ai faite en collaboration avec une poète super douée, Kelly Dunley. Elle est ici avec nous. Oh, et ça s'appelle Grey. Ouais. Ouais, ouais. Everything's moving from green to red. The trees are echoes of all the things we've said. It's that time of year when everything's changing, just stays the same. It's the new life we're facing. It's the time of year when the gray has its way. Salut, Lizzie Betty. Marc, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu n'es pas censé... Tu crois que c'est dur de trouver si j'en ai réellement envie? Tu n'es pas censé m'approcher. Pourquoi tu as ça? Parce que je vais te tuer, c'est tout. Et ensuite, je me tuerai devant tout le monde. Bouge pas! Écoute, je t'ai dit que j'étais plus rien sans toi et jamais... Marc, ne sois pas stupide. Je devrais te tuer au premier! C'est toi qui lui as monté la tête! Marc, pas ça. Non. Je vais te conduire quelque part où personne ne nous empêchera de vivre tous les deux. Tu vois que c'est le seul moyen qui reste pour te montrer combien je t'aime, Lizzie. Ah oui, tu crois. Ce que tu fais n'a rien à voir avec l'amour. Ne me dis pas que je ne t'aime pas. Je t'interdis de dire que ce n'est pas de l'amour ce que je ressens. On ne contrôle pas ce qu'on aime. On ne tape pas ce qu'on aime. On ne tue surtout pas ce qu'on aime. Vivre sans toi, c'est hors de question. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Rappelle-toi, tu disais que tu voulais changer. Tu peux changer dès maintenant, Marc. Arrêtons de nous faire du mal, tu veux bien? S'il te plaît, baisse ton arme. Je t'assure que non, je ne l'aurais jamais tiré. Ça va, chérie? Oh mon Dieu, ça va, tu es sûre? Oh, ma petite fille. Oui. Tu n'as rien. T'aurais dû la voir. T'as été formidable. Merci, Kelly, d'avoir été là. Il est 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir, je t'ai réveillée. Et tu fais quoi? Bien, tu m'as toujours dit que tu trouvais la pâtisserie reposante. J'ai décidé de faire un gâteau pour Kelly. Tu veux me dire quoi faire? Vas-y, c'est bon. Si tu veux mon avis, casse-le franchement en frappant sur l'arête du bol. Tu me fais voir? Ah. Tu réussiras sans aucun doute.
ce que je disais. Je suis fière de toi. Tu mets quoi dans ton mélange ? Chocolat. Très bon choix, le chocolat.